Si l'on compare les températures d'ébullition d'un alcool et d'un éthéroxyde ayant le même nombre d'atomes de carbone, par exemple ici l'éthanol et le diméthyléther, on peut remarquer une grande différence. La température d'ébullition de l'éthanol est de 78 degrés Celsius, tandis que le diméthyléther passe à l'état gazeux des moins 25 degrés. Donc à température ambiante, qui est considérée à 25 degrés Celsius, l'éthanol est liquide et le diméthyléther est gazeux. Cet état de la matière donc, peut être expliqué par les interactions entre les molécules. En effet, si je prends une molécule d'éthanol, je trouve une liaison oxygène-hydrogène ici, qui est polarisée. En raison de l'électronégativité de l'oxygène, celui-ci porte une charge partielle delta- et l'hydrogène porte une charge partielle delta+. Et ces charges partielles permettent des interactions intermoléculaires entre deux molécules d'éthanol. Si j'en ai une deuxième ici, avec à nouveau cette polarité, on va retrouver une interaction entre ces deux molécules d'éthanol sous forme de liaison hydrogène entre cet hydrogène ici, avec sa charge partielle positive, et un doublet non liant de l'oxygène. C'est la force d'interaction intermoléculaire la plus forte qui puisse exister, et elle est responsable de la température d'ébullition élevée de l'éthanol. Dans le cas du diméthyléther, on retrouve des doublets non liants au niveau de l'oxygène. Je vais représenter ici donc, l'oxygène avec ses doublets non liants. Ici, on a en fait des carbones qui portent chacun donc, 3 hydrogènes. Et une autre molécule ici. Donc, on retrouve des doublets non liants au niveau de l'oxygène. Mais les hydrogènes présents, qui sont attachés en fait au niveau de carbone, ne peuvent pas établir de liaison hydrogène avec ces doublets car ils ne sont pas suffisamment électropositifs. Dans leur liaison avec le carbone, celui-ci n'est pas assez électronégatif pour leur procurer la charge partielle delta+, indispensable à une telle interaction. Il n'y aura donc pas de liaison hydrogène entre les molécules de diméthyléther. En revanche, il y a quand même une polarité de liaison entre l'oxygène et le carbone. Ici, on a un oxygène qui sera delta- et un carbone delta+. Et on retrouve cette même polarité ici. Donc il y aura une autre forme d'interaction appelée la force dipôle-dipôle. Mais c'est une force très faible en comparaison aux liaisons hydrogènes. Et donc ceci résultera en une température d'ébullition basse pour le diméthyléther. Que se passe-t-il si on augmente le nombre de carbones présents dans les groupes alkyles d'un éthéroxyde ? Si on compare par exemple donc, le diméthyléther, qu'on a déjà vu, pour lequel la température d'ébullition est à moins 25 degrés, avec le diéthyléther, comme ceci, eh bien, sa température d'ébullition est de 35 degrés. Et cette différence permet au diéthyléther d'être liquide à température ambiante. Pourquoi est-ce que le diéthyléther a une température d'ébullition plus élevée ? On sait que les molécules d'éthéroxyde ne peuvent pas former de liaison hydrogène, donc il doit y avoir une autre forme d'interaction intermoléculaire présente. Une force que l'on a évoquée dans d'autres vidéos, c'est la force de dispersion de London. Au niveau de ces groupes alkyles plus longs, on trouve plus de surface pour ces forces d'attraction. Donc si j'ai une autre molécule ici, on va retrouver ces forces de London qui vont pouvoir créer une forme d'interaction entre les molécules. Et ces forces s'additionnent, donc plus les chaînes seront longues, plus il y aura de surface pour ces forces d'attraction. Et donc ce sera plus difficile de séparer ces molécules, et cela explique une augmentation de l'énergie nécessaire, et donc de la température, pour obtenir l'état gazeux. D'autre part, lorsque le nombre de carbone augmente au niveau de ces groupes alkyles, la partie non polaire de la molécule augmente, ce qui en fait un bon solvant pour les composés organiques non polaires. Et ces deux propriétés font du diéthyléther un excellent solvant pour les extractions. Car grâce à cette partie non polaire, il va être un bon solvant pour les composés organiques non polaires. Puis ensuite, il sera facile à éliminer grâce à sa température d'ébullition de 35 degrés pour permettre de récupérer le produit organique. Voyons maintenant un autre type d'hétéroxyde, les éthers couronnes. J'en ai dessiné un ici. Ce sont de grosses molécules hétéroxydes qui ont été découvertes par Charles Pederson, qui en a tiré un prix Nobel. Leur système de nomenclature, donc pour retrouver le nom d'une telle molécule, nécessite d'abord de compter le nombre d'atomes qui composent cette couronne. Ici, on va commencer ici, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. On a 18 atomes. Et ensuite, on compte combien d'oxygènes sont présents. Ici, on en a 6. Et on obtient le 18 couronne 6. Cela nous indique quel type d'hétéroxyde couronne on a, mais ce n'est pas assez précis pour localiser d'éventuels substituants sur le cycle. Donc l'IUPAC recommande de nommer chaque position d'un oxygène pour obtenir, donc ici je les ai déjà nommés, donc on a 1, 4, 7, 10, 13, 16, hexaoxa, donc ça, ça veut dire qu'on a 6 oxygènes, cyclo-octa-décane. Donc cyclo-octa-décane, ça veut dire 18, et donc ça c'est pour nous dire qu'on a un cycle avec 18 atomes. Donc c'est deux noms, deux façons de décrire la même molécule. Et ces éthers couronnes, ils peuvent interagir avec différents ions. Par exemple, la taille de l'atome de potassium permet à l'ion K+ de tenir à l'intérieur du cycle. Et les doublets non liants, des oxygènes, vont interagir avec le cation. Et ces forces d'attraction vont maintenir l'ion potassium à l'intérieur du cycle, qui forme du coup comme une couronne autour de lui. Et cette propriété des éthers couronnes est très utile. Donc, par exemple, si on a un fluorure de potassium, c'est K+, F-, qui n'est pas soluble dans un composé organique non polaire, eh bien, si on utilise cet éther couronne, les oxygènes peuvent interagir avec l'ion K+, et le reste du cycle, cette partie-là sur l'extérieur, c'est non polaire. Et donc ça va conférer la solubilité du composé dans un solvant organique non polaire, comme par exemple le benzène, et cela a pour effet de libérer l'anion fluorure, qui peut alors agir dans une réaction SN2. Donc ça, c'est une propriété clé des éthers couronnes qui va être utilisée pour permettre à l'anion de fonctionner comme meilleur nucléophile en dissolvant le cation. Différents éthers couronnes auront différentes tailles et donc seront adaptés à différents ions. Et si tu regardes une représentation en trois dimensions de ce même éther couronne ici, on a représenté ici donc en violet l'ion potassium au centre, entouré des atomes d'oxygène. Et il est facile de remarquer que la partie exposée, la partie externe de la molécule, qui est composée donc des carbones et des hydrogènes, est la partie non polaire.